Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode sur... c'est écrit sur votre écran. J'espère que vous allez bien, on va continuer l'histoire s'il y en a une. Reprendre le jeu. Effectivement. Il n'y a pas de temps de chargement, vous avez remarqué, nous sommes sur PS5, pas du tout. En revanche, j'ai totalement... Ah ! On en est là. Ça va, ils nous ont pas remis trop loin. C'est heureusement. Alors, il faut à tout prix que je me remette dans le bain. Même si, en vrai, j'ai enregistré hier. Mais je suis un peu en mode... j'ai déjà oublié. Donc, il faut que je me remette dans le bain. Frère, il y a deux touches. Il y a la direction, sauter et s'accrocher. Alors, est-ce qu'on avait le choix de lui arracher une patte ou non? Aucune idée. D'ailleurs, j'espère que... J'ai cru que ça allait me tomber dessus. J'espère que mon son est assez bien réglé. Je vais peut-être reculer un tout petit peu mon micro. Voilà. Je sais pas si ça changera grand chose. Vu que là, de toute manière, c'est assez calme. J'aime bien quand c'est plus calme. Ok. Il va nous falloir quelque chose, je pense. Alors, je peux aller vachement loin. Ça va être une question de timing, je le sens là. J'ai l'impression qu'il va falloir faire un truc de timing. Des charismes là. Ok. Si je monte... Ah, j'arrive pas à monter d'ici. Ah si, voilà. Je sais pas si j'ai glitché ou si ça se fait comme ça, mais... on aurait vachement dit un glitch. Bah, moi ça va bien, hein. J'espère que vous ça va aussi. Je sais pas ce que je fais là. Mais sinon ça se passe bien, ouais. J'ai ces trucs là qui doivent sûrement servir à quelque chose. Mais à quoi Ah. Peut-être qu'il faut les mettre à bonne distance. Tu vois, genre pour que le saut soit possible. Genre là c'est faisable. Là en vrai, un petit chouïa comme ça. Et voilà. Pas du tout. Mais c'est dur ce jeu. Oh la vache. Oh la vache. Ah non, bah non. Attends, comment je fais ça? Celui-là, on va le rapprocher au maximum. Ouais, pour le coup, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Ok, bah alors, toi, tu reviens avec moi. Par contre, ensuite, comment on fait le... Comment on fait le transfert? Est-ce qu'il faut que je... Attends, est-ce que là, ça passe? Ouais, ça passe. Il faut que je fasse ça. Je passe ici. Ensuite là. Ok. Je suis le boss. Bon après j'espère que j'ai pas besoin de me dépêcher. Parce que sinon c'est un peu la merde. Tout ça pour ouvrir le truc qu'il y a en bas. Je suis... Bah il est où le pneu? Non c'est bon. Ah ça me stresse un petit peu ce jeu. Je saurais pas dire pourquoi. Ok. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc cette caisse apparemment... J'ai peur d'avancer un tout petit peu. Voilà, ça fera l'affaire. Pour pas me faire écraser en dessous, tu vois, genre... À mon avis, le truc, il martèle à une vitesse. Pour le coup, là, tu te fais écraser. Sans plus de considération. Bon, alors, maintenant, on arrive à monter ici.
Est-ce qu'il faudrait pas pousser la caisse au maximum? Tu vois? Genre si je fais ça, j'emmène la caisse avec moi. Non, ça a pas l'air de... Ah oui, d'accord, je suis bloqué maintenant. Non, peut-être que ça le fait, remarque. Faut juste que j'arrive à la rattraper. Oh! Ok, c'est bon, ça passe. J'ai une caisse ici. Là, j'avoue que je suis bloqué, les potes. Je sais pas trop comment on va faire. Oh, j'ai failli me jeter dans le vide. C'est un peu stressant. Je crois qu'on n'est pas trop loin de la fin. De la fin MDR. On sait pas s'il y a vraiment une fin dans ce jeu-là. Mais dans le doute, je vais dire qu'on n'est pas loin de la fin pour... Est-ce que je serais pas un glitcher fou? Ah non, ça passe pas. Il me faut une deuxième caisse. Ah, ok. Alors comment je vais remonter, moi? Ok, ok. Je l'ai. Regardez, c'est absolument diabolique. Hop, on fait ça. On passe là. Et le pire, c'est que j'ai même pas regardé d'astuce. Hein. Hop, j'arrive avec toi. Essaye de pas m'écraser par contre. Voilà. Elle arrive se déposer tranquillement. Hop. Même pas besoin de... Hey. Pas besoin de violence. Hop, on fait ça. C'est diabolique, je vous avais prévenu. Et là, on fait ça. Et voilà. Alors, ça, j'ai peur d'appuyer. J'ai pas le temps. On est mort? Non, on peut la ramener. Mais alors, comment je fais, moi? Il faut que je sois peut-être déjà dans la course. Non. Moitié. D'accord, elle est obligée d'aller jusqu'au bout. Je pensais qu'on pouvait l'arrêter à mi-chemin, tu vois. Donc on était arrivé à peu près par là quand on s'est balancé, mais là pour le coup, pour le coup je sais pas trop quoi faire, ouais. Peut-être que je sois un tout petit peu plus bas, un tout petit peu plus haut, histoire que mes jambes ne touchent pas le sol. Là normalement, on a gagné pas mal en amplitude. Après le problème c'est que c'est une chaîne. Donc forcément ça va moins bien se balancer que qu'une corde, j'ai l'impression. Après, en ayant un mouvement de cloche, tu vois, il y a moyen de faire un truc assez... J'ai aucune idée hein, si c'est la bonne solution ou pas. Je vois juste que le mouvement de la chaîne me dérange un peu. Ouais, voilà, on arrive toujours au même endroit. Et voilà, mon pote. Aucune idée de si c'est la solution. J'ai l'impression que non. Genre, il faudrait continuer plus tôt. Au pire, on descend. Ok. Et maintenant, tout s'incline. On descend ou... I'm not sure to piger everything. C'est assez troublant. Ah!
D'accord. Ah d'accord. Ah c'est pour ça que... Ouais moi je comprenais pas pourquoi d'un coup il attrapait le truc. Tu vois genre... Ok ici c'est bloqué encore. Il y a sûrement quelque chose qui va pousser la sorte de porte. Voilà. C'est exactement ce que je pensais. Là, on part sur la gauche ensuite. Ok, hyper intelligent le mec. Là-dessus, j'ai un doute. D'accord. Et ça, c'est pour... Hein ? Pas compris. D'accord. Pas compris. Non, je rigole. J'ai compris, mais j'ai raté du coup. Il faut que je me dépêche un petit peu plus. Genre là quoi. Ça va faire un petit peu loin pour le saut d'après, j'ai l'impression. Ok, je vais prendre de l'élan, je sais pas s'il y a une notion d'élan dans ce jeu, mais... Ok, je l'ai raté. je l'ai raté. Pas de soucis là-dessus. Voilà! Aucun souci, mon pote! Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge, là. Petit colis là. Alors j'ignore comment ça va se passer. Hein? Excusez-moi. Suis-je débile ou bien? J'ai peut-être une piste. J'ai peut-être un truc, ouais. Je vais déplacer ça avant. Genre si on reste à ce niveau-là. D'accord, il va falloir faire un... Oh là là. Pas facile ce jeu. Hein. J'espère que vous m'entendez encore. Là, il va falloir descendre, madame la caisse. D'accord, et maintenant? Wouh! Les mecs trop chauds! Ici, c'est les quartiers de France. Je peux lâcher? Est-ce que ça bouge encore, là? Je lâche. J'ai très peur de lâcher à chaque fois. On va éviter de se faire écraser du coup. Vas-y, n'hésite pas. Ouah ! Putain, il faut utiliser ça. Je pense, hein.
Il va y avoir la boule qui va tomber de toute façon. J'ai pas compris. J'ai l'impression d'avoir les oreilles bouchées avec ce son. C'est pas bon du coup. En fait, le truc c'est que je veux mettre juste sur le bord. Mais là, je crois que j'ai perdu du temps. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez, tue-moi. Voilà. Et puis ce son, ça m'énerve. J'ai l'impression d'avoir les oreilles grave bouchées. Tu sais, comme quand tu vas dans l'eau salée et après ça te fait un acouphène là. Ok, cette fois-ci. Je veux, en fait, je veux vraiment mettre sur le bord-bord, mais j'ai l'impression qu'après, une fois que je lâche, ça tombe encore. Tu vois, genre là. Ok. Ouah, mais quand t'as le timing, c'est si beau, en fait. Ouah. On va être libre. Tu vas me tuer, toi? D'accord. Je l'avais pas vu. Non, je dois dire que je l'avais pas vu. Là, normalement, on est bon au niveau timing. On n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. On n'est pas bon du tout. Pourtant, on y était presque. Hein. Regarde ça. Là, j'attends un petit peu. Là, je peux y aller. Ah putain, c'est relou si ça se finit là-dessus. Un peu déçu pour le coup. Est-ce que la fille va nous manger le vermicelle? Enfin, je sais pas, j'ai dit que c'était une fille parce que j'ai vu quelqu'un sur... Ça a changé le décor. Oh, ça a l'air chiant. Ça a l'air chiant comme la mort. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'y étais, gros! Non, mais par contre, c'est un peu abusé le sang, non? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Oula! Attends, c'est chaud ce jeu! 1, 2, 3. D'accord, ça fait un bruit très étrange. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là pour le coup j'ai vraiment pas le temps. Et... Oh non. Oh la chiantise. Là c'est mort. Non c'est bon. Ok. Mais là on a pas du tout le temps en fait. Mais non. Ah oui putain c'est vrai qu'il avance. Je me suis dit mais pourquoi il avance tout seul? Je sais pas trop pourquoi. Genre moi là je veux juste me mettre sur le bord et attendre. Tu vois, genre comme ça. Ok, le speedrunner. Et maintenant? Qu'est-ce que je deviens en fait? Ah c'est dur. Non, ok, c'est bon. Ah, je déteste ces phases avec le parasite. Je déteste ça vraiment. Merde. Du coup, c'est plus bon. Attends, je suis bloqué là. Ouais, je vais tomber. Et ça? Pas compris là-dessus. Hein. Et si je mets juste entre les deux? Genre, ok, j'ai pas le choix.
J'ai l'impression qu'il y a un petit temps de... Genre tu vois. Ok. Pro player ici. Je me suis dit ce petit temps de latence. Ok, je me fais un petit peu de défi moi parce que j'adore ça. Je suis en train de serrer les fesses à tout moment. D'accord. Ma foi. Tout a l'air électrifié. Ah, j'ai déjà vu cette énigme. Je l'ai déjà vue. Et je crois me souvenir qu'elle est horrible. Mais genre vraiment. C'est pas pour faire le requin. J'avais déjà vu une vidéo sur Limbo et je crois que c'était ce passage là. Ou alors c'est la démo du jeu tout simplement. Moi je pense qu'on peut y arriver. Encore un coup, je pense. Eh, c'est pas mal, hein. Non, pas du tout. Le mec n'a aucun espoir. Ah, je peux pas monter plus haut que ça. Ah, c'est embêtant, du coup. Voilà, c'est pas maintenant. Pas maintenant, c'est là. Ok. Pro player. Et maintenant. Parce que... Oh non, j'ai pas envie de tomber, rater, et puis... Pardon. Ok, de retour. C'était pas très compliqué. En soi, c'est tellement... Enfin, c'est tellement paradoxal. Genre, c'est pas dur. Non, mais il y a un souci, en fait. Il y a un truc que je dois pas comprendre. Vas-y, roule-moi dessus, poteau. Roule-moi dessus. Il y a un truc que j'ai du mal comprendre avec le deuxième chariot. De toute façon, je pense que dans cet épisode, je vais faire pas mal de coupures. Je sais pas à quel niveau il faut le mettre. À mon avis, faut pas le mettre trop loin. Tu vois, genre là. Ça m'a l'air faisable d'ici. Bon, à tout de suite. Ok, cette fois-ci c'est la bonne, je le sens. Oui, on y est. Alors, ce que je dois faire, aucune idée. J'imagine rester en vie. Je pense pas qu'il y a des chances que je tombe. Oh la vache, c'est quoi ce jeu hardcore? Vous avez vu comment c'est devenu hyper dur d'un coup? Mais non. Mais comment j'étais censé savoir ça moi? Comment je fais?
gros, c'est quoi ce truc? Mais j'aurai jamais le temps en fait. Là ça me chagrine. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce 4ème épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et moi je vous dis à très très vite pour le 5ème épisode qui sera à mon avis le dernier. Ciao !